Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui est vachement utile si vous avez une grande maison ou si vous voulez élargir votre Wi-Fi. De mon côté, nous sommes chez Orange et du coup, j'ai une Livebox, la Livebox 5. Et le souci que j'ai, c'est que nous avons une grande maison. C'est une ancienne ferme rénovée qui se trouve dans le sud-ouest. Et là où se trouve la télévision, la deuxième, eh bien, au final, nous captons mal la Wi-Fi. C'est pour ça que on avait des pertes de connexion au niveau du décodeur pour avoir les chaînes de télévision. Et voilà pourquoi que j'ai contacté Orange pour savoir s'ils faisaient un répéteur qui me permettrait d'élargir le Wi-Fi. Et ils m'ont dit oui, effectivement. Et ils m'ont dit du fait que vous avez l'abonnement. Je sais plus comment ça s'appelle, vous l'avez gratuitement. Donc c'est super. Elle m'a expliqué comment faire pour aller sur le site chez Orange et commander le répéteur qui est totalement gratuit. Vous payez que 10 euros. Je trouve ça un peu cher. 10 euros pour les frais de port. Et du coup, bah, je l'ai reçu 3 jours après. Donc l'appareil, je vais vous faire montrer ça. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Le répéteur, c'est celui-ci. Voilà. Donc, qui ressemble à une petite, à un petit routeur, quoi, disons, voilà. Et vous pouvez même le mettre en plus. Là, en fait, vous branchez votre prise et vous pouvez carrément le mettre dessus, voilà, parce qu'il y a des espèces d'encoches, voilà, d'entailles. Voilà, donc derrière, il n'y a rien. Donc, dedans, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Donc, dans cette boîte, voilà, cette boîte que vous allez recevoir chez vous. Vous allez recevoir le petit répéteur. Vous allez avoir dedans un câble, comment dire, Ethernet dedans et le chargeur. Vous allez recevoir avec un livret. Normalement, le livret, si j'ai pas fait de bêtises, il y est encore dedans. Hop. Je vais voir s'il y est. Logiquement, oui. Voilà. Du coup, vous allez recevoir ce livret-là, voilà, qui vous explique de A à Z comment faire la démarche pour le mettre en route. Donc, c'est pas compliqué à faire, voilà. Donc, voilà, donc il vous explique comment est foutue la boîte. Donc, vous avez comment dire, le chargeur, vous avez le câble, vous avez le livret, vous avez le câble Ethernet, plus le répéteur, voilà. Donc, il vous explique. Donc, que le répéteur, il faut le mettre à moins de 2 mètres de votre box. Voilà, donc vous le mettez à 2 mètres à moins de votre box. Puis, vous le branchez. Voilà. Et par la suite, vous avez un petit bouton pour allumer le répéteur. Voilà, donc il va clignoter orange. Voilà, à peu près pendant 2 minutes. C'est ce que j'ai eu de mon côté. Après, il faut patienter et le voyant clignote en blanc. À partir du moment où il va clignoter en blanc, il faut appuyer sur la croix qui est juste au-dessus là. Voilà, ici. Là. Voilà. Et vous appuyez sur la croix et le Wi-Fi va clignoter en orange. Ce qu'il faudra faire, c'est que sur la box, il faudra appuyer sur le WPS. Voilà. Et il faut patienter jusqu'à le voyant soit orange fixe et clignotant en blanc. Voilà, donc c'est pas compliqué. Et une fois que c'est fait, vous débranchez votre répéteur de là où se trouve à côté de votre box et vous le branchez là où vous en avez besoin. Voilà, donc je vais vous faire montrer. Donc là, ils expliquent par la suite que vous pouvez le brancher en haut dans une chambre, peu importe. Pour élargir le Wi-Fi et une fois que c'est une fois que vous les branchez à l'emplacement là où vous voulez, bah, il suffit simplement de brancher le câble Ethernet au premier port ici là, voilà, et vous le branchez sur votre décodeur de votre télévision, voilà, qui permet d'avoir une puissance Internet un peu plus un peu mieux quoi, disons, voilà. Du coup, une fois que tout est branché, logiquement, vous devriez avoir les deux voyants orange qui vont s'allumer fixe. Et ça voudra dire que vous avez le Wi-Fi partout. Voilà. Donc il faut évidemment vérifier
le voyant, parce que là vous avez un voyant, lorsque vous avez branché le câble Ethernet, vous avez un voyant qui va clignoter automatiquement, qui vous montrera le débit en fait. Voilà. Et après, il suffit simplement, si vous voulez, vous connecter avec l'application sur votre smartphone pour contrôler. Voilà. Donc ça vous permet d'étendre le Wi-Fi, machin. Donc, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, comme vous voulez. Mais bon, sachez que le premier il est gratuit, mais si vous en voulez un deuxième, évidemment, il sera payant. Je vous montre comment il est foutu. Donc le répéteur, il est ici, donc avec le logo orange. Là, comme on peut le voir, il y a les deux voyants orange qui s'allument. Ici, j'ai branché le câble Ethernet. Bon, je l'ai mis sur le deuxième, je sais pas pourquoi. Bon, j'aurais pu le mettre sur le premier. Et voilà, et là vous avez le branchement d'alimentation qui est juste en dessous. Voilà, du coup là on voit bien que le Wi-Fi est bien appairé avec la box. Et là bah, vous avez le câble Ethernet avec le petit voyant vert. Voilà, qui clignote, qui veut dire que vous avez l'Internet. Voilà, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, bah, vous me le dites en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bye bye. Thank you.